Aujourd'hui, je reviens avec la vidéo de dépiautage de magazine. Alors, quand je vous l'ai proposé dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, vous avez été plusieurs à me répondre favorablement que vous vouliez voir une vidéo de découpage de magazine. Donc, je m'exécute. Alors, il faut savoir que je découpe dans les magazines, pas que pour du art journal, mais pour illustrer mes propos dans mon journal, donc le journal que je vous ai déjà vaguement montré, donc voilà, donc dans mon journal. Oh, ça se décolle, qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est pas grave, je regarderai ça tout à l'heure. Donc voilà, quand je découpe dans les magazines, c'est pour illustrer ce que je raconte dans mon journal. Donc voilà, il y a aussi de belles images que je vais prendre qui peuvent me servir et pour le art journal que je fais quand même assez rarement, on va dire. Mais voilà, je peux tout à fait l'utiliser dans mon journal, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors, premièrement, je vous avais montré déjà dans une vidéo, mais pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, je range mes découpes dans des fartes comme ceci que l'on trouve chez Action. Alors, ce sont des fartes comme ceci, avec des pochettes plastiques comme ceci. Alors, elles sont fort magnétiques, statiques. Donc, je les aime bien parce que ça reste en place. Ce que je place à l'intérieur, ça reste bien en place parce que c'est vraiment fort statique. Alors, ce que je fais, c'est que j'entaille le côté. Comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose, je soulève tout simplement et je sais prendre que s'il n'y a que l'ouverture sur le dessus, ben, c'est un peu plus compliqué pour aller chercher. Imaginons, je veux l'image qui est tout en dessous, c'est un peu plus compliqué sans bouger tout ce qu'il y a alentour. Donc voilà, ici, donc, dans ma première farte, j'ai... Ça, c'est vous qui faites les classements de vos classeurs par rapport à vos besoins, bien évidemment. Là, donc, j'ai mis les écritures, donc tout ce qui est tout ce qui peut être citation et compagnie. J'ai mis amour, voilà. Je vais vous montrer, enfin, vous donner un exemple. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'amour, donc quand je vois des cœurs, des love, des je t'aime. Nourriture, donc pas difficile à comprendre. Tout ce qui est en rapport à la nourriture, voilà. Alors, à chaque fois, je laisse quelques feuilles plastiques vides avant de refaire avant de repasser à un autre. Alors, j'en ai acheté de stock. Comme ça, ben, s'il y a une farte remplie, ben, je vide peut-être par exemple, la nourriture, je le vide et je le mets dans un autre. Comme ça, ça laisse de la place pour les autres et compagnie. Enfin, soit, bref, voyage, fête et météo. Donc, voilà. Ici, il y aura les personnages et les animaux. Alors, quand je fais des fartes avec seulement deux catégories, ce que je fais, c'est que, donc ici, j'ai mis les personnages sur l'avant. Je vais vous montrer en même temps ce que j'ai mis, hein, comme ça, ça peut peut-être vous donner des idées, une première idée. Donc, les personnages, alors j'ai fait une pochette rien qu'avec les stars, voilà. J'aime bien certains artistes. Donc, les personnages sont mis tous du même côté. Et ensuite, pour l'autre catégorie, je vais à l'arrière de ma farte et je commence, j'ai commencé la catégorie à partir de l'arrière. Comme ça, ben, ça se rejoindra, les deux catégories se rejoindront. Et quand ce sera plein, ben, je viderai une catégorie, je mettrai dans une nouvelle. Voilà, donc là c'est pour les tout ce qui est animaux. Voilà, comme ça vous voyez plus ou moins mon rangement en même temps. Ensuite j'ai fait un flore et paysage, donc flore c'est tout ce qui est fleurs, arbres et compagnie, et une autre catégorie paysage. Et donc j'ai procédé de la même manière que cette farde ci. Donc la flore je l'ai mis sur l'avant et les paysages, je les ai mis de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre farte ici un peu plus remplie de fond. Voilà, tout ce que je considère utilisable en fond.
Donc ça peut très bien aussi me servir en scrap tout simplement, hein. Voilà, j'aime bien les genres comme ça, c'est comme si c'était des fonds pour moi. Enfin, voilà, vous rangez de toute façon comme vous le voulez. Alors, il y a des fois où je fais des découpes hors caméra, hein. Jusqu'ici, j'ai fait mes découpes hors caméra. Avant de les ranger, en général, dans les fards, en général, ce que je fais, c'est que je les mets dans un pochon comme ceci. Et ensuite, je les trie par catégorie. Là, c'était lors d'une de mes dernières sessions de découpage, hein. Tout était à l'envers, je crois, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà, donc tout ça, c'est arrangé. Si vous voulez, je pourrais le faire une fois avec vous en vidéo. Quand j'ai des pochons comme ça ouverts, enfin remplis plutôt, eh bien, vous montrer le rangement et où je les place exactement. Mais voilà, donc alors, autre chose avant de commencer le découpage de mon magazine, enfin de mes magazines. Donc là, je vais vous montrer plus ou moins ce que je prends comme magazine, où je les prends, où je les achète plus ou moins et compagnie. Donc, comme vous le savez, je regarde des vidéos de découpage de magazines. Alors, c'est souvent des anglaises. Donc, je ne fais que regarder. Je mets le son parce que j'aime bien entendre leur voix en général. Je comprends un mot sur 50, mais c'est pas grave. J'aime bien regarder ce genre de vidéos. Par contre, quand je les regarde, souvent, imaginons, elles sont là. La fille décide de découper ça parce qu'elle trouve ça super joli, mais elle ne récupère pas ça. Et moi, je me dis, mais moi, j'aurais récupéré. Et plein de fois comme ça, où je me dis, mais moi, ça, j'aurais pris, moi, ça, j'aurais pris. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais instaurer une manière de faire sur ma chaîne. Hein. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais quand je vais commencer un magazine, je vais mettre un numéro dessus. Donc, imaginons, je commence par celui-là. Je vais mettre le numéro 1. Je vais prendre ce que j'ai à prendre dans mon magazine. Et si vous, téléspectateurs, YouTube spectateurs, hein, vous voyez quelque chose que je passe que vous auriez pris, donc quelque chose qui reste dans le livre, n'hésitez pas donc à m'envoyer un email que je laisse en barre d'infos avec le numéro de magazine, ce que vous voulez récupérer dans ce fameux magazine que moi je n'aurais pas pris. Et on pourrait faire un échange comme ça. Voilà. Je vous envoie des découpes de magazines et des autres choses. Hein. On peut s'arranger pour que vous récupériez certaines des découpes des magazines et des die-cuts, des cartes de Project Life, n'importe quoi. Enfin voilà. Ça, on s'arrange de toute façon par email après pour faire des échanges comme ça. Voilà. J'avais envie d'instaurer des échanges sur ma chaîne et je me suis dit que ben, là, ce serait peut-être bien pour introduire les échanges pour les personnes qui prennent les découpes de magazines comme moi. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, je vais mettre un numéro. Là, je vais commencer certainement par celui-là. Je vais mettre un numéro 1. Si vous avez vu des choses, vous dites, ben voilà, dans le magazine numéro 1, j'ai vu telle illustration. Si vous voulez, vous pouvez même faire des screenshots de votre écran, ce que vous voulez. Ou alors, si vous voulez récupérer le magazine entier pour fouiller vous-même dans le magazine, ça c'est ce que vous, enfin, vous choisissez. Bref, alors là, je vais vous expliquer plus ou moins ce que je prends comme magazine. Alors le Flow, je l'achète déjà depuis un petit moment. Alors il y a certains mois où je le zappe. Alors moi, je n'ai pas de souci à couper dedans, donc je coupe dedans. D'ailleurs, mes anciens, ils sont déjà à la poubelle. Hein. Voilà. Alors, je prends aussi certains magazines dans lesquels il y a quelques petites choses qui pourraient très bien être récupérées à l'intérieur. Donc là, par exemple, le magasin Club, j'ai pris le fascicule. L'autre jour, une bijouterie, j'ai vu ça, je fais oh, ah non, c'était pas une bijouterie, ça, c'était un magasin de jouets. J'ai feuilleté, j'ai dit oh, il y a de belles choses que je pourrais récupérer. Hop, je l'ai pris, c'est gratuit. Shady, le fascicule de Shady, c'est gratuit. Maison du Monde, hein, c'est énorme, hein. Alors celui-là, je ne vais pas le dépiauter avec vous aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore visualisé. C'était pour vous montrer ce que je prenais plus ou moins comme magazine. Donc j'achète des magazines et je prends ce qui est à notre portée quand on va faire les magasins. Donc celui-là, je ne vais pas le dépiauter avec vous aujourd'hui. Ça, je ne sais plus. Je crois que c'était dans un magasin de parfumerie. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent être prises. Ici, pareil, encore un magazine de bijouterie. Ici encore. Voilà, tous des petits, même des fois des petits fascicules comme ceci. Vous voyez, il y a
Par exemple, l'autre fois, j'ai un peu visionné et je me suis dit, ben, je pourrais prendre, imaginons, cette image-là et moi mettre une photo par-dessus. Ça me fait un fond fleuri, tout bêtement. Voilà. Alors, j'achète le flair. Le flair, ben, je le démonte. Ça, l'autre fois, j'ai reçu ça par la boîte, dans la boîte aux lettres. Il y a quelques illustrations assez jolies, vous le verrez par après. Un autre magazine que j'achète, voilà, que j'ai pas de souci, voilà, je l'ai lu, j'ai pas de souci à découper dedans après. Donc voilà, pour vous montrer un peu tout ce que je peux prendre dans tout ce qui est à notre disposition, tout simplement, et ce que j'achète moi, tout simplement. Voilà. Alors vous pouvez demander à vos tantines, vos mamans, vos frères et sœurs de garder les magazines qui jettent en temps normal aussi. Voilà, pour les idées, donc, de ce que vous pouvez récupérer. Alors là, je vais pas tout faire, je vais en garder quelques-uns, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, je vais faire ces magazines-là. Le reste, on le fera dans une autre vidéo si ce genre de vidéo vous plaît. Alors, j'ai préparé mes ciseaux, bien évidemment. Étant donné que je vais essayer de garder les pages entières, si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, je vais directement découper. Alors, étant donné que la vidéo d'introduction dure déjà pas mal de temps, plus de 10 minutes, et que je sais que ça va prendre vraiment beaucoup de temps, je vais faire la vidéo en deux parties. Donc, vous aurez cette première partie, là, vous l'avez aujourd'hui, et le lendemain, vous aurez l'autre partie. Voilà, comme ça fait vraiment une vidéo explicative. Comme ça, je pourrais aussi rediriger les personnes qui se posent la question pourquoi je prends dans les magazines tout ça, donner directement le lien de la vidéo où je fais l'introduction de mon dépiautage de magazines. Voilà, donc ben, j'espère que cette première vidéo introduction vous aura plu. Je vais remplir la petite enveloppe quand même, hein. Alors, ben, pour le coup, je vais prendre directement dans mon petit pochon. Alors, c'est des choses que j'aime bien, que je prends là-dedans. C'est vraiment des choses que moi, je voulais pour mon truc. Mais je vais vous le mettre. Alors, ici, une petite écriture en bref. Je pioche, hein, au hasard. Ici, une illustration feuillue. Et une troisième au hasard. Hop. Des nuages. Voilà. Voilà, donc ben, je vous retrouve demain pour la suite. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous!